dernier. Et quoi, 50 cartons? Oui, au moins, oui. Mais merci, j'avais besoin de tes gros bras pour m'éternuer toutes mes robes de princesse. Non, c'est particulier pour une princesse. Quoi? T'aimes pas ma couronne? Allez, repose ça. Merde, elle est où ma gratte? Relax, elle est là-bas, ta deuxième chérie. Ah bon? Je croyais que c'était toi, ma deuxième chérie. Continue de faire ce que tu faisais. Je faisais rien de particulier. Bah voilà. C'est ça le problème. Eh, hey, tu calmes. Que je me calme. C'est vrai que t'es tranquille, toi. Tu restes assis là toute la journée pendant que je vais me crever pour ramener de l'argent. Et tu me saoules à parler tout le temps d'argent. Mais tu ferais bien d'y penser un peu, toi aussi. Et c'est pas ton taf un soir par mois en régie qui va changer les choses. Et tu sais, il faut de l'argent pour réaliser ses rêves. Ah oui? Il est où ton rêve? Tu gagnes de l'argent et on fout plus rien ensemble. Elle est où la putain de musique chez toi? Mais Quentin, j'ai tout sacrifié pour toi. Pour qu'on puisse un jour se marier. J'ai abandonné mon rêve pour qu'on puisse vivre ensemble. Non, mais je te l'ai jamais demandé, moi. Ok. Putain. Fais chier. J'ai mal réagi. Je rentre à l'appart après le concert et on en parle. Bisous.